Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons découvrir les origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression les doigts dans le nez. Alors commençons par une définition. Les doigts dans le nez signifie très facilement, c'est-à-dire sans rencontrer de difficultés ou sans avoir à fournir d'efforts particuliers. Quelle est l'origine de cette expression? On retrouve la première trace de l'expression les doigts dans le nez au début du XXe siècle, dans le milieu des courses de chevaux. On disait alors, pour qualifier une victoire très large, que le jockey avait gagné les doigts dans le nez. On comprend facilement ce qui a pu motiver l'utilisation de cette image amusante, comme si la victoire avait été tellement simple que le cavalier n'avait eu besoin que d'une seule main pour l'obtenir. L'expression renvoie également à l'esprit d'insouciance, qui est l'image que véhiculent les enfants détachés, qui se mettent négligemment et allègrement les doigts dans le nez. Ainsi, l'aspect n'avoir besoin que d'une main, combiné à l'idée d'insouciance de la situation, se retrouve dans cette expression pour faire transparaître l'idée générale d'extrême facilité que nous connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Il vous suffit pour cela de cliquer sur Reynald, mon prénom, qui est un lien qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Ainsi, vous retrouverez aisément toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site, et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.